Et une autre belle cause, des enfants du Secours Populaire ont pu visiter le voilier de Prismian Group, skippé par Giancarlo Pedotte et Anthony Marchand. Regardez, ça a été une belle rencontre. C'est la première fois qu'ils foulent les pontons. Ces enfants havrais découvrent la Transat Jacques Vabre grâce au Secours Populaire. Et ils ont le privilège d'embarquer sur l'IMOCA Prismian Group. Bonjour, bienvenue à bord. Le skipper italien Giancarlo Pedotte assure la visite sur le pont. Il est rapidement relayé par son co-skipper. On peut se mettre là, cacher des vagues et du vent, sous la petite bulle, de voir devant et de continuer à diriger le bateau. Alors vous voyez, en fait, c'est une barre, c'est pas comme un volant de voiture, quoi. À chaque départ de course, Anthony Marchand donne de son temps à des enfants. En tout, il en a déjà reçu 500. Et vous allez voir notre grotte secrète. Il aimerait créer des vocations et pas seulement dans les milieux favorisés. J'ai commencé la voile quand j'étais enfant dans un club de voile. On achetait juste la licence, mais comme une licence de foot. Le club fournissait l'optimiste, les combinaisons. Je pense qu'aujourd'hui, la voile c'est quand même un peu plus démocratisé et ça coûte pas autant d'argent qu'on le pense. J'ai cru qu'au début que c'était très grand. Mais en fait, non, c'est petit. Donc il n'y a pas de lumière à l'intérieur, on est dans le noir, il n'y a pas de fenêtre. On voit des gens qui dorment par terre, c'est un peu surprenant. Les enfants sont repartis avec le même rêve, prendre un jour la barre d'un voilier.